Barça. Vous permettez que j'utilise l'abréviation la plus répandue, PQ, Paris-Qatar, pour vous dire que le Paris est perdu contre le Barça. Le jeu, la recette, le match, pa, 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 3 missiles à domicile. Eh ben, il y a de quoi se sentir inutile. Notre belle capitale, sentir plus que mal. Comme quoi l'argent ne peut ni faire le bonheur, ni sauver l'honneur. Ah mais je vous l'ai peut-être pas dit. Le football à un certain niveau est une entreprise très aléatoire. Le hasard y règne en maître absolu. Alors les mauvaises langues, je veux dire ceux qui ne maîtrisent pas la langue, vous diront que ça joue sur des détails. Des détails. Des détails. Est-ce que vous avez bien vu hier la gueule des détails. Des amateurs. Des amateurs aux prises avec des pros, des professionnels. De petits artisans qui se mesurent à de grands artistes. Des joueurs ordinaires qui affrontent des joueurs extraordinaires. Des étoiles. Des étoiles qui nous dévoilent l'espace d'un soir que même le sport le plus ringard peut être assimilé à un art. Un art, lorsqu'il est pratiqué par des dieux vivants qui font circuler l'univers comme un ballon. Neymar, Suarez, Messi, ils n'ont qu'une vocation, rendre sensible l'excellence, même aux non-voyants. Parce que ces gens-là, monsieur, jouent les yeux fermés avec l'instinct. Avec l'instinct. Pour transformer chaque action en objet d'admiration. Mira ! Ce que c'est beau de jouer à l'unisson, être un ! Être un, c'est loin d'être commun. Je peux vous le traduire en langage moins nuancé. Ce Barça-là ne peut perdre que par malchance. Et ce Paris-là ne peut gagner que... par chance! Parce qu'entre les deux, il y a une énorme différence de niveau, et ce, à tous les niveaux. Ok, Paris n'a pas de véritable entraîneur, mais un homme en costume qui part de plus en plus en sucette. C'est un bleu, notre Laurent Blanc. Mais Luis Enrique n'est pas une flèche non plus. Sauf qu'il n'entraîne personne. Il dispose de 11 entraîneurs! 11 entraîneurs sur le terrain pour créer le jeu, pour faire la décision. Bon, on peut se consoler en se disant que le Qatar va probablement remettre la main à la poche pour nous acheter de plus grosses pointures. 11 Verratti, par exemple. Mais est-ce que ça suffirait pour faire de Paris le plus grand club du monde? Non, je crois pas. Pour une raison toute simple d'ailleurs. Parce que ce ne sont pas les stars qui font les beaux jours du Barça, mais le Barça qui fait les beaux jours des stars. Ça ne s'improvise pas. L'amour, la mort. L'amour, c'est ce qu'on apprend dans ce club formateur qui dispose d'une réserve naturelle grâce aux enfants du pays qui donneraient leur vie pour servir la terre qui les a vus naître, eux et leurs ancêtres. Iniesta, Xavi. Lorsque l'un d'eux se blesse, c'est l'autre qui retient le destin en laisse. Alors je sais pas. Il faudrait que le Qatar nous achète une arme. Mais ce qui reste même pour lui, hors de prix. Une âme, hors de prix, même pour le Qatar. Oh, oh, oh.